Bienvenue dans le Finistère, la communauté technique TP. Ce matin, on est chez l'entreprise Le Pape, du côté de Plomelin, à côté de Quimper. Bien souvent, une entreprise de TP, ça commence par une passion du matériel depuis toujours. On voit ici à l'entrée un très beau cylindre Richier VR12 qui a été repeint et exposé. C'est très sympa. Alors oui, je vais abuser un petit peu de cette veste que j'ai commandée sur Technique TP pour les prochains jours. Alors ce matin, je voulais vous faire vivre le départ des camions. Bertrand, ça fait le patron, ça fait plus de, je vais dire une connerie, peut-être plus de 30 ans qu'il regarde ses matériels partir le matin. Donc j'avais envie d'assister à ça et de vous le faire partager. Allez, c'est parti. Parti pour quelques beaux camions. Si j'ai voulu venir ici ce matin, c'est notamment parce que pour moi, la passion du matériel, ça passe souvent déjà par la volonté d'un patron. Et des parcs comme ça, ce sont des parcs de passionnés. Bertrand adore les machines, adore les camions, ça se voit. On a un parc très propre, assez récent, extrêmement bien entretenu. On voit que les camions sont irréprochables. Je rappelle que je viens là à l'improviste, que bien sûr, ils n'ont pas nettoyé les matériels spécifiquement pour moi. On est en milieu de semaine. Les mauvaises langues diront on est en Bretagne, il pleut, ça nettoie les camions. Mais non, on voit quand même que les camions sont extrêmement propres. Chaque camion a sa place. Ça, j'aime ça. On aime les machines qui sont bien alignées comme ça aussi. Alors que sortent les premiers camions. Et c'est parti, ça sort. Les derniers FMX. J'avais du mal avec la dénomination. 6-4, ah non. 6... 8-2-4, je pense. C'est des configurations un peu moins courantes. Avec un essieu relevable à l'arrière. Un beau tracteur avec une remorque 3 essieux Benalu. Avec une benne bien décorée. On aime le Caterpillar, je crois, par ici. Bon, 8-4 benne grue. Un peu de toupie montée sur Bersampirole. Le crochet qui permet de tirer bien tout l'ensemble, la toupie. Ici, pareil, on trouve un peu la même configuration de châssis. Vous me corrigez si je dis des conneries. 8-2-4, 8-6-4, je suis pas sûr. Ah, ça, c'est le kiff. Alors, celui-ci, qu'est-ce qu'il est beau. 6-4 Volvo FH16, 650 chevaux. Très belle porte-engin, notre boom. 1, 2, 3, 4, 5 essieux. Ah, ils sont beaux, ils ont une belle gueule, putain, ces Arocs. Tracteur 6-2, remorque porte-engin Noteboom avec son joli finisher ABG 7820 dessus et son petit compacteur Bomag. Voilà, on est sur un tracteur 6-2, l'essieu moteur, et celui-ci ne l'est pas. C'est pour ça qu'on y a un 6-2. On voit le moyeu ici, c'est lui qui entraîne. Ça se bouscule au portillon et ça continue à sortir. Et on parle souvent de godet sur Technique TP. Là, je crois qu'il y a eu un problème, chef. Ça s'est ouvert. Il y a un trou, on dirait. Je crois qu'il a plu cette nuit. Un peu d'eau dans la benne. Les jolies petites bouilles. Un beau Mercedes 2536, 360 chevaux. Avec une bouille derrière. On est sur du Rincheval. Un joli Volvo, un pointe-à-temps, un patard. Donc là, ça permet de mettre le bitume, puis après la couche de gravillon. Monté sur du Volvo FMX, ils sont beaux, ils ont une sacrée gueule. On est sur de la Rox 2546. Je parle de machines TP d'une manière générale. Là, j'en lobe les camions comme ça, qui sont les camions pour moi de TP. Très, très beaux ensembles. Je pense qu'ils sont très récents.
une qualité perçue exceptionnelle. Alors après, dans vos commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous voulez partager votre avis sur ces camions. Mais ça fait un beau couple. Allez, on va s'arrêter là-dessus. On le voit, le parc est vide. J'espère que cette sortie matinale des matériels vous aura plu. Allez, à ciao ciao.